c'est le Kikadi du Super Moscato Show. Alors, on a un cadeau qui fait fantasmer Vincent. C'est le tracker d'activité MyCoach de la marque BeWell Connect. Vous le mettez à votre poignet, ça calcule votre activité physique. C'est absolument magique. Alexandre et Cédric ont été tirés au sort. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alexandre, ton équipe, Eric ou Vincent ? Eric. Alexandre, donc avec Eric. T'as raison. Et Maryse. Ah bon ? Je suis pas avec Eric, moi. T'as pas fait les footeux. Cédric contre. Non, avec Maryse, on est ensemble. Vincent et Julien Cazard. Cédric est du Tarn. Moi, très bien. Ça me va très bien être avec Vincent. C'est le triangle des Bermudas. Hein, ah oui, là, on est à fond dedans, là. Vincent. Cédric Gaillac, et Cazard. Gaillac, Toulouse et Rodez, carrément. Tu es d'où, maintenant, Cédric c'est Rodez, carrément. Tu es d'où, Cédric? Quelle ville? D'Albi. Albi. Oh là là, Gaillac, c'est la pointe du triangle. Il y a eu quelques prix Nobel. Là, non, mais là, il faut changer de question pour mettre un niveau plus élevé. Ah ouais, là, attention, il y a trop de prix Nobel qui sont nés dans ce coin. Il faut prévenir avant. Allez, c'est parti, messieurs. Après avoir balancé sur les CAP. Sur les métiers manuels. Kikadi, je n'ai pas fait d'activité ludique. Je suis même pas allé aux champignons. J'ai été invité pour une partie. Antonetti. Non, j'ai été invité pour une partie de chasse en Sologne et j'ai refusé. Je vais devoir faire de même pour la palombe. Question Bermuda. Hein. La porte. Etchebest. Non. Quelqu'un qui a dû. On a bougé là. On a pu penser qu'il était en vacances. Novès. Novès, bien entendu. Oui, Eric, il met quoi, Novès? C'est moi. Oui, c'est toi, oui. C'est se faire choper sur Novès, c'est chaud. Ça marche là, Vincent. Pile de Toulouse. Même si tu l'aimes pas, t'aurais pu trouver. Je le dis, putain. Eh oui. Toujours le problème, c'est après quoi. Allez, premier et dernier qui a parlé de ce qui a dit du jour. Alexandre et Cédric, c'est pour vous. Qui a parlé spécial auditeur, les autres. C'est une question auditeur, Julien. Voilà, mais oui, c'est ça. Et là, c'est rapidité, attention, ça va aller très vite. Il parle pas français, donc soyez attentifs, mais c'est facile, écoutez. Je suis entraîneur de Castilla. Michel. Non. Zidane. Zidane. Oui, Zinedine Zidane. C'est une plaisanterie. Bien. Michel. Tu dis oui, mais tu sais pas qui c'est encore, Cédric. Eric. Cédric. C'est Cédric, c'est bon. C'est le mien. Non. C'est le nôtre. Non. C'est le nôtre. C'est celui de Moscato. Enfin, Alexandre, là, quand même, t'as fait un truc. Ça, c'est du jamais vu. Ah ouais, t'as dit la moitié de la réponse. Ouais. Ton cerveau s'est arrêté. Mais c'est incroyable. Incroyable ce que t'as fait. Il parle pas français là, mais pas dans la vie. Mais il parlait pas espagnol non plus. Vous avez vu comme il parle bien espagnol, Zidane? En attendant, ça fait un partout. C'est impressionnant. Un partout. J'annonce un match au sommet très serré là. Je sens une tension. Kikadi, je préfère mettre 200 millions d'euros sur Neymar ou Luis Suarez plutôt que 100 millions sur Cristiano. Ah, je l'ai entendu ça. Dugarry. Julien Cazard. Bonne réponse. Je l'ai entendu, Christophe Dugarry. Fallait pas dire, je l'ai entendu, fallait dire Dugarry. Mais non, mais j'étais en train de me demander qui c'est, où je l'avais entendu. C'est que je l'ai pas entendu, mais c'était une phrase à la Dugarry. Il peut pas prononcer Dugarry. C'est exactement ça. T'as vu comme elle est pertinente la phrase? Je l'ai entendu. C'est un acte manqué. Dugarry peut pas prononcer son nom. C'est comme Zidane, il disait jamais Domenech, il disait toujours le sélectionneur. Donc ça fait 2-1 pour Cédric. Je dis Dugarry et je l'ai entendu le dire en plus. Il a tellement bien dit en plus. Kikadi, nous avons assez de bons joueurs pour assurer notre maintien. Nous nous battrons jusqu'à la fin pour chaque petit point qu'il faut grappiller. Non, pas Courbis. Nous savons que cela sera très difficile, mais il reste encore beaucoup de matchs. Travers. Pas Thierry Loret, pas Travers, non. Quelqu'un qui dispute le maintien aura mission quasi impossible. Mathieu Blin, non. Furlan. Patrice Collazo. Furlan, non. Qui est dernier en top 14, Marisa? C'est vraiment mission impossible, mais le challenge est beau. Putain, je vais les mettre sur la voie, c'est rugby ça. Non, c'est pas rugby. C'est pas rugby. C'est quelqu'un qui joue le maintien, quelqu'un que tout le monde aime bien. Ouais, c'est quelqu'un de sympa. Quelqu'un qui joue. Plutôt un bon consultant quand il est consultant, mais là il est plus consultant du coup. Parce qu'il a retrouvé un banc. Pas faire les deux. Antonetti. Louis. Louis. Non, c'est pas Louis avec son équipe. Non, parce que Louis il est sélectionneur. Le maintien, et oui, il est sélectionneur. Maintien, la mission est très belle. Hein, c'est pas Courbis. C'est un club qui compte dans ce pays. Il a été nommé manager. Non, Comboiré. Pas Coupé. Non. Il est très gentil. Il fait un peu genre idéal si vous voulez. Quand on le voit. Paul Le Guen. Paul Le Guen, non, mais il a entraîné le même club. De quoi Rémy Garde. Rémy Garde, absolument. Mais Vincent oui, Moscato. On est bête. Le jeune et beau Rémy Garde qui est entraîneur en Angleterre. Ah, crac, le texto est arrivé juste à bon point. Oui, mais toi. Rémy Garde, c'est fort. T'as vu comme il a dit tout bas. Ça vaut Martin. Oui, c'est bien qu'il peut pas ça, d'après moi, c'est la roue qui lui a envoyé. Donc, comme il n'était pas sûr de la réponse, il a dit du bout des lèvres, il a dit. On peut continuer.
On peut continuer, s'il vous plaît. Oui, on peut. Il a dit à la timide, c'est Rémi Garde. Oui, Rémi Garde comme ça. C'est-à-dire que le mec qui lui a envoyé n'était pas fiable du tout. Julien. Bon, balle de match, messieurs, dames. Balle de match. Je dis rien, moi. Tu sais quoi, Pierrot? Je dis rien. Tu vois, ça, c'est accusé sans preuve. C'est la discrimination, ça s'appelle. C'est la discrimination. Oui, oui. Balle de match. Il termine une carrière incroyable. Maintenant, félicitations à monsieur Raoul. Ah non. Raoul a arrêté sa carrière. Zidane, non. Zlatan. Florentino Pérez. Non. Je pense qu'il a jamais joué avec Raoul, mais il a la classe. Guardiola. Messi. Leonardo. Le coiffeur pour dames. Ouais. Leonardo. C'est chier, quoi. Je perds sur Leonardo. Allez, c'est gagné. Donc, le premier tracker d'activité de la semaine, le tracker My Coach de la marque Be Well Connect. C'est pour Alexandre. Bravo à toi. Ce bracelet que tu veux mettre au poignet calculera ton activité physique toute la journée, la qualité de ton sommeil, et on verra toutes les infos sur ton smartphone. Bravo à toi. Et pour Cédric, c'est un beau cadeau également, un album Panini Rugby 2015-2016 avec 500 images.